puisqu'il n'y en a pas, c'est le moment des déclarations des députés. Député de Kitchener-Conestoga, aujourd'hui marque la journée du cancer des ovaires. C'est reconnu dans le monde entier pour reconnaître l'impact de ce cancer. J'ai rencontré Linda, des résidents qui ont partagé l'impact de cette maladie sur eux et leur famille. Alors, il faut prôner l'amélioration des traitements et je pense que tout le personnel partage mon avis et je leur souhaite la bienvenue puisqu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Tous les jours, il y a 5 femmes qui en meurent. C'est vraiment le cancer le plus mortel pour les femmes au Canada. Depuis trop longtemps, les gens leur disent que ça va aller mieux et ça touche à toutes les communautés. Nous avons des femmes que nous connaissons aujourd'hui qui sont à risque pour cela. Cancer des ovaires a lancé une campagne pour sensibiliser les gens à ce propos, pour assurer la prévention. Alors, veuillez applaudir cette reconnaissance de la journée du cancer des ovaires aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles qui sont venues représenter ce groupe ici aujourd'hui. Déclaration du député d'Essex en l'honneur de la semaine des infirmières et infirmières. Je voudrais reconnaître les personnes exceptionnelles à cet effet. Ce prix est pour France Finut aujourd'hui. C'est la coordonnatrice de l'hôpital de Windsor et Essex. Elle a une belle carrière. Elle a fréquenté l'Hôtel Dieu de l'infirmière en 68. Elle a travaillé aux soins intensifs et comme beaucoup d'autres infirmières chez nous, elle a accepté un travail à Détroit, à Lakeside. De là, elle est passée à l'hôpital ostéopathique comme chef des infirmières. Là, elle est passée au centre médical de Détroit sur l'oncologie. Après 18 ans de travail au Michigan, son mari a pris un travail à Barry, mais c'était trop pour elle de se déplacer tous les jours. Alors, elle a passé 20 ans avec Home Health comme chef des infirmières et infirmières, et elle est donc revenue à Windsor. Elle sentait toujours un ange sur ses épaules lorsqu'elle s'occupe de ses patients. Toute son équipe fait du mentorat pour préparer les jeunes à faire le même travail. C'est quelqu'un qui se fait la championne de la profession. Elle a mené par l'exemple. Elle a fait preuve de leadership, de professionnalisme. Félicitations, Fran. Merci. Député de Barrie. Il y a plusieurs semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer Laura Zoladiev, qui est championne pour la campagne Lady Balls. C'est pour contrer le cancer des ovaires. Malheureusement, les symptômes de la maladie peuvent être méconnus et il n'y a aucun test diagnostique significatif. C'est pourquoi beaucoup de femmes comme Laura doivent se défendre elles-mêmes. Malheureusement, pour trop de femmes, cela survient trop tard. Je sais combien il est important d'avoir des organismes pareils. Ce sont des gens qui sensibilisent les gens à propos du danger de cette maladie, qui parlent de nouveaux traitements, ils font des levées de fonds. Tous les septembre, depuis 2002, ils ont tenu le défilé de l'espoir dans 4 communautés à travers le pays. 23 millions de dollars ont été amassés à cette fin jusqu'à présent. Je félicite les gens parmi nous aujourd'hui qui ont fait tant de travail à cet effet. Je voudrais que vous sachiez aussi que nous allons distribuer des cartes postales aux députés sur la campagne Lady Balls pour les aider à sensibiliser le public et les ministères pour appuyer davantage la recherche pour trouver une façon de guérir de cette maladie.
Aujourd'hui, je me lève au jour de l'anniversaire de la victoire en Europe. Chaque année, dans le même jour, on se rassemble aujourd'hui dans la province et partout pour célébrer ces grands nombres d'hommes et de femmes qui ont fait tant de sacrifices en notre nom. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un groupe d'anciens combattants, les gens de la marine marchande, car ces gens ont joué tout un rôle pendant la guerre. Ils transportaient des cargaisons, du personnel au front de la bataille, souvent dans une météo épouvantable et en danger de sous-marin. 12 000. Au total, ont servi dans la marine marchande du Canada. Plus de 17 000 y ont perdu leur vie. Le fait qu'ils ont subi le plus grand dommage que tous les autres, pourtant, fait que cette entité n'était pas était composée seulement de volontaires. Ils n'ont pas reçu davantage sociaux. Ils n'avaient même pas d'uniforme pour les identifier. Donc, on leur a refusé la même reconnaissance qu'on a réservée aux autres anciens combattants. Alors, j'ai proclamé le 3 septembre de chaque année comme le jour de la marine marchande du Canada. La loi est entrée en vigueur en 2003. La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse l'ont adoptée. J'espère que vous allez tous voter en faveur de l'adoption rapide de ce projet de loi. C'est le mois de la conscientisation sur la fibrose cystique. C'est sa troisième année que l'on a organisé cette campagne. Alors, tout le monde veut nous aider. Mike a perdu deux sœurs avec cette maladie épouvantable. Il ne les a pas oubliées 20 ans après. Il a perdu sa sœur aînée et sa sœur cadette. Donc, elles se sont fait voler les 20 dernières années de leurs années. En 20 années, la recherche a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, l'attente de vie pour quelqu'un qui en est atteint a presque doublé. Et on a amélioré en plus la norme des soins pour les malades. Alors, il travaille inlassablement. L'année dernière, il a levé 50 000 $. Il dit que c'est l'homme le plus chanceux de la Terre. Mais c'est un leader de la communauté à Kitchener-Waterloo. Alors, si ça vous intéresse d'apprendre davantage à propos de la campagne de Mike, prière de le suivre en ligne. Député de Mississauga-Brampton South. Récemment, j'ai eu le plaisir d'assister à le 126e célébration du docteur Ambedkar. Il est né dans une famille indienne. Il est devenu victime du système des castes. C'était son éducation et son esprit de combat qui lui ont permis de clamer victoire contre ce mal. Tout ce qui est basé sur la couleur et le sexe, il a toujours combattu contre cela. C'est le premier Indien à avoir un doctorat. Il avait aussi des diplômes de l'Université de London. Sa vie fait preuve d'un esprit révolutionnaire véritable. C'était un juriste, un économiste, un politicien et un réformateur social. Il voulait toujours lutter contre le système des castes.
Monsieur le Président, je félicite le comité de célébration d'avoir organisé ce bel événement qui a tant réussi. Merci, Monsieur le Président. Vendredi, j'ai assisté à l'ouverture du nouvel hospice à Kempville. C'est très beau et ça va permettre de profiter des services qu'ils vont rendre au public. Il y a de merveilleux bénévoles et toute la communauté qu'il faut féliciter depuis le début de cet hôpital il y a 25 ans. Mais il manque quelque chose à cela. Comme beaucoup de communautés rurales en Ontario, il n'y a pas de financement des lits nécessaires. Il est difficile et même cruel de forcer les familles de s'éloigner de leurs proches malades du fait qu'il n'y a pas d'hospice résidentiel près de chez eux. J'ai eu beaucoup de conversations avec le ministre et son assistant parlementaire à propos du financement nécessaire, mais c'est fini maintenant. Les communautés veulent qu'on s'active là-dessus. Le député d'Ottawa-Sud s'est rendu à l'hôpital, à l'hospice avec moi, donc il sait que ça tient, la communauté le tient à cœur. Donc, je lui demande de bien vouloir fournir le financement nécessaire pour faire fonctionner cet hospice. Le député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler de la visite merveilleuse avec les étudiants de l'Institut Bloor College dans ma circonscription de Davenport. C'est un groupe de la dixième année qui m'a rendu visite dans mon bureau pour parler des meilleurs intérêts du public, avoir l'occasion de répondre à leurs questions sur le travail qu'on fait ici m'a été très agréable. Nous avons pu débattre de nos débats en Assemblée législative. Et ces jeunes adultes se sont montrés parfaitement prêts à la tâche. On leur a parlé des déclarations de députés. Donc, les étudiants chez eux nous ont suivis en ligne et ils tiennent compte de ce travail très important qui se passe ici et dans nos circonscriptions. Dans ce cas particulier, il y a le cours de Mademoiselle Barclay qui enseigne aux élèves ce qui se passe ici à l'Assemblée. Alors, c'est un travail important qu'on leur apprend à propos de nos travaux ici. Et c'est un travail dans lequel je trouve beaucoup de récompenses. Merci, Monsieur le Président. En mars, j'ai assisté à l'Ottawa Farm Show où des agriculteurs de l'Est de l'Ontario ont montré les progrès de notre industrie agroalimentaire. Homestead Organics joue un rôle de leadership en faisant la promotion de cultivation écologique à travers l'Ontario. Ils ont préparé un manuel qui montre comment faire débuter un nouveau travail biologique. Alors, les techniques et les difficultés ici sont les mêmes que pour les autres entreprises, car ils doivent essayer de trouver les ressources, l'équipement nécessaire et assurer les pratiques exemplaires à toutes les étapes du cycle de la production. Alors, la transition à ce genre d'agriculture biologique doit s'expliquer. Et les gens doivent s'y préparer. Donc, ces entreprises méritent l'occasion de réussir en Ontario. Et je suis très fière du fait qu'ils aient joué ce rôle de leadership dans ce domaine. Merci. Merci.